fait exactement 2 ans et demi qu'on existe. On s'est installé sur Saint-Plus. On organise un événement pro et amateur qui est parrainé par NDLM, championne d'Europe et vice-championne olympique, basket, et Charles Cahudi, champion d'Europe et vice-championne d'Europe aussi. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de choses pour les jeunes vraiment d'un certain niveau du spectacle, parce que c'est vrai qu'un match de basket c'est cool. Les gens viennent voir le match, ça dure 40 minutes, à la fin du match les gens ne sont pas forcément disponibles. Alors que là pendant le tournoi, les joueurs sont disponibles, ils vont à la buvette comme tout le monde, ils sont dans le public comme tout le monde et ils sont en contact avec le public. Notre tournoi phare, c'est le tournoi du mois de juin, donc le Call of Ball, le tournament masculin, féminin, avec la plupart des joueurs, 80% des joueurs professionnels qui sont payés pour. On peut voir des joueurs comme Lamine Kanté qui joue à Monaco, David Ramsey qui joue en Suisse, à Genève, des joueurs internationaux, Boris Dalot, le petit Nantais aussi. Voilà. Bah, pas de problème, c'est simple, c'est que quand j'étais petit, je jouais aux jeux vidéo NBA Live. Il était dans le jeu parce qu'il devait aller en NBA. Voilà, ceux qui ne savent pas au courant, Patch Morland a failli jouer en NBA à Seattle. Et j'étais fan de lui quand j'étais tout petit, j'ai pris beaucoup de temps sur lui. Donc ça m'a fait plaisir de le voir venir à Nantes. Donc je lui ai proposé tout simplement, il m'a dit oui, très simplement, sans Boutraor aussi, un joueur avec qui j'ai joué, que je considère comme un grand frère aussi depuis des années. C'est des exemples pour moi, donc pour moi c'était logique de mettre en parrain. Hein. Un très bon match, on fait une grosse entame. Bon, après ça revient parce que Boulazac c'est une grosse équipe. Voilà. Nous on a eu du mal à garder cette intensité défensive pendant 40 minutes. C'est aussi quelque part pas simple à faire. Maintenant au bout c'est la victoire. Ça fait une troisième d'affilée. 2 jours pour récupérer et puis on repart à Soufal. C'était convenu avec Alain, on s'était dit un petit peu de suspense et puis on gagne pour faire monter la salle et c'était une super salle, super journée et puis alors avec une belle victoire et je crois qu'ils sont partis là, ils vont faire une fin de saison extraordinaire. Je pense qu'ils sont bien, ils sont dans la dynamique de la victoire de la semaine dernière, super. On connaît Boulazac, on connaît le petit gars d'en face qui est Antoine Michon qui a toujours un petit coup dans son escarcelle. Aucun souci quand on voit un Durham exceptionnel encore ce soir et un bon management du banc. Très belle journée, très beau match et puis merci à toi Thierry, merci à vous, merci. Et merci et l'Hermine, en montée. Qu'est-ce que ça représente comme une société pour l'EDF? Un partenariat avec un club de basket, avec la Mine Nantes Atlantique. Bah, beaucoup de plaisir à partager avec nos clients, et puis du suspense, et puis un club très ancré sur Nantes, et comme on a aussi beaucoup de clients nantais, pour nous c'est important de réunir les deux. Bah, la passion, l'envie, le goût du jeu, et puis j'ai vu qu'il y avait une belle trottinette électrique qui circulait sur le terrain, donc bon, on y est peut-être pour quelque chose aussi. On sera là pour les 2-3 ans, le temps de les accompagner jusque la proie, et c'est ce qu'on, collectivement, ce qu'on pousse comme projet bien sûr.